Bienvenue à tous à Springfield Point Local, l'exercice complet, partie 2. Alors, on va faire dans cette vidéo les numéros 6, pardon, numéro 7, correction, numéro 7, j'ai bien dit 7, jusqu'à 19 de l'exercice de Springfield qui ressemble à ça ici. Alors, on était rendu au numéro 7, on avait fait la redirection de dossier lors du dernier épisode. Et on est rendu ici joyeusement à la configuration du pare-feu. Alors, on va se faire un petit. On va essayer d'enlever la ligne rouge qu'il y a là. Je ne sais pas pourquoi il y a une ligne rouge. On va faire un petit zoom pour qu'on puisse mieux voir qu'est-ce qu'on a à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la configuration du pare-feu. Puis, ça va beaucoup plus loin en fait que la configuration du pare-feu en soi parce qu'on peut. Parler de configuration du pare-feu et des accès distants. Alors, on va configurer notre serveur à distance grâce à cette configuration-là. Configurer grâce à la configuration, ça va bien aller. Alors, premièrement, dans le serveur, j'ai besoin d'ajouter des règles pour le bureau à distance et l'autorisation de la gestion à distance Windows. Alors, on va commencer par ça. Alors, je m'en vais dans mon serveur. Je vais aller chercher mes règles de pare-feu. Je vais toujours chercher les règles de pare-feu avec fonction avancée de sécurité. Je vais ajouter une nouvelle règle de trafic entrant parce que je vais contrôler mon serveur à distance, donc une règle entrante. Et je vais chercher dans prédéfini, bureau à distance dans un premier temps, qui va me permettre de faire du contrôle bureau à distance. Si c'est nécessaire, évidemment. Ainsi que une autre règle, tout aussi entrante, celle-là de gestion à distance. Alors, ça va nous permettre de faire la gestion de notre serveur. Et voilà. Alors, une fois que ces règles-là sont configurées, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est aller, on me demande dans l'exercice d'aller exporter la stratégie du pare-feu dans le volume backup. Alors, comment on fait une exportation? En fait, on va cliquer sur l'onglet, pas l'onglet, mais l'item pare-feu Windows juste en haut. On clique droit, puis on fait exporter la stratégie. Ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que je pourrais par la suite utiliser cette exportation-là pour l'importer dans la création d'une GPO, par exemple, pour pouvoir configurer automatiquement d'autres serveurs. Alors, je m'en vais dans mon volume backup. Je vais me faire un nouveau dossier que je vais appeler, disons, sauvegarde manuelle. Ça me permet de sauvegarder seulement un item. Et à l'intérieur de ça, je vais appeler mon nom de fichier, disons, pare-feu, serveur, DC, contrôle. À distance. Alors, je nomme mon fichier de façon éloquente. De manière que si jamais, par exemple, par erreur, je sélectionne plein de trucs, je supprime des règles dans mon serveur et mon serveur ne fonctionne plus, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est cliquer droit sur mon serveur, importer la stratégie et évidemment, il va y avoir effacement de toutes les règles et remplacement par cette stratégie-là. Alors, je vais aller chercher mes règles et les règles auront été remises comme elles étaient lors de la sauvegarde. Alors, ça peut être intéressant d'avoir une petite sauvegarde de nos règles de pare-feu du serveur. C'est pour ça qu'on demandait de faire ça ici. Au niveau du client, maintenant, on va basculer au niveau de notre client pour créer une MMC personnalisée. Alors, je vais aller chercher une MMC personnalisée et ma MMC personnalisée. Je vais essayer de lui ajouter les composants logiciels affichables me permettant de contrôler le domaine à distance. Toutefois, vous allez remarquer que utilisateur et ordinateur Active Directory n'est pas présent dans la liste. Pourquoi? C'est qu'il n'a tout simplement pas été activé. On se souviendra que pour pouvoir, oups, pardon, cet affiché Homer ne fallait plus, pour pouvoir
avoir les trucs pour gérer notre serveur à distance, ça nous prend un composant qui s'appelle RSAT, Remote Server Administration Tools. Ce composant a été téléchargé du site de Microsoft dans cette machine virtuelle-là et a été installé. Toutefois, ce n'est pas suffisant. Il faut aller dans le panneau de configuration, dans les programmes, dans activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Et là, on nous demande évidemment les mots de passe de l'admin. Je vais prendre mon backdoor que j'avais créé un peu auparavant. Alors, j'ai besoin des credentials, si on veut, d'administrateur pour aller activer les fonctions de RSAT qui vont me permettre plus tard de les insérer, d'insérer les différents composants logiciels affichables dans ma MMC. Alors, il y a un petit délai. On va naviguer maintenant à l'intérieur de ces composants-là pour aller chercher l'outil d'administration de serveurs distants. C'est pas nécessairement simple de savoir quoi activer. On va aller dans les outils d'administration de rôle et puis là, on peut activer service bureau à distance. On va aller dans outils ADDS pour activer le composant logiciel affichable et l'outil de commande des services de domaine Active Directory. Alors, Active Directory Users and Computers, soit utilisateur et ordinateur Active Directory, c'est ici. Et finalement aussi, peut-être qu'on va vouloir faire d'autres choses comme n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir le goût de faire? Ben, on peut faire l'outil de gestion de stratégie de groupe, par exemple. On fait OK et on attend que le serveur installe les fonctionnalités. Ça peut prendre un certain temps. Une fois que les fonctionnalités ont été activées, je m'en vais dans Ajout, suppression de composants logiciels affichables de ma MMC. Et là, je pourrais mettre bureau à distance. Et là, je pourrais mettre gestionnaire de stratégie de groupe. Gestion des stratégies de groupe. Et finalement, utilisateur et ordinateur Active Directory. Ce qui va me permettre, même, et là j'enregistre évidemment ma MMC, et notez que j'ai ouvert une session avec Bart, hein? J'ai ouvert une session avec un utilisateur qui est standard. Et vous allez voir que ça peut me permettre quand même, à partir de mon client, de gérer mon système. Alors, au niveau utilisateur et ordinateur Active Directory, je suis capable d'aller consulter mes unités organisationnelles, puis je suis capable d'aller voir comment sont configurés mes différents éléments. Je suis capable aussi d'aller dans les stratégies de groupe, de naviguer à travers l'ensemble des objets de stratégie de groupe qui existent dans le système. Je suis capable d'aller analyser le contenu d'une GPO alors que je ne suis pas un administrateur. Je suis capable de voir les paramètres, je suis capable de voir le rapport de GPO, etc. Ça me permet de faire des diagnostics complets. Par contre, quand j'essaye de modifier le GPO, ben, je n'ai pas le droit. Alors, c'est un avantage important que de pouvoir faire ça à partir d'un utilisateur standard. Alors, ici, c'est réglé. Numéro 8, je demande de configurer des profils itinérants pour l'ordinateur client 7.2. Étant donné que je n'ai pas deux clients présentement, je vais le faire pour le 7.1, mais évidemment, dans ce qui vous concerne, vous devriez le faire sur deux ordinateurs clients. Alors, pour pouvoir faire ça, je dois avoir en tête, je vais retourner sur mon serveur, je vais fermer tout ça, je vais aller chercher ma console, je dois avoir en tête où se trouve mon objet ordinateur dans Active Directory. Alors, n'oubliez pas que l'ordinateur se trouve, oh, c'est une stratégie de groupe, mon ordinateur se trouve dans l'unité organisationnelle OU Ordi qui est là. Alors, il est ici, mon ordinateur. Alors, je vais devoir appliquer une GPO à cette unité organisationnelle-là. Je vais devoir appliquer une GPO qui va avoir comme effet de créer un profil itinérant sur un partage. Le partage existe déjà. Le partage, en fait, il a été utilisé pour les redirections de dossiers. Je l'ai appelé redirection. Je vais utiliser exactement le même partage et mes profils vont venir s'inscrire ici à l'intérieur. Alors, pour pouvoir faire la redirection de dossier, étant donné que mon partage existe déjà, ben, je m'en vais tout simplement dans mes GPO. Alors, je ne refais pas la recette du partage, c'est exactement la même recette. Il n'y a pas de différence.
Alors, je m'en vais dans mon unité organisationnelle ordi, je clique droit, je crée un objet et je le lis. Je l'appelle GPO, profil itinérant. Faites attention avec le profil itinérant, c'est très pratique pour des gens dans une organisation qui changent d'ordinateur. Par contre, ça prend beaucoup d'espace disque sur le serveur, parce que tout le profil est copié à la fermeture de session sur le serveur. Alors, dans ma GPO profil itinérant, je vais modifier la GPO. Je vais aller dans les stratégies, au niveau ordinateur, évidemment, dans les stratégies, dans les modèles d'administration, et je vais aller chercher les composants Windows. En fait, ce n'est pas dans les composants Windows. Je me suis un peu trompé. C'est dans Système. Donc, dans Système, on va naviguer ici jusqu'à l'item Profil des utilisateurs. J'aime bien mettre les paramètres en ordre alphabétique. C'est plus facile de trouver les items. Et on va définir un chemin d'accès de profil itinérant pour tous les utilisateurs. Alors, on va activer ça et on va ajouter notre partage de tantôt. Alors là, ça serait hasardeux d'écrire n'importe quoi ici. Alors, je vais tout simplement faire un essai. SRV1, backslash, par cœur, je me souviens que c'était redirection. Redirection avec un S, signe de dollar. Alors, assurez-vous que le partage fonctionne. Oui, c'est le bon. Je prends son adresse en note. Je CTRL-C, je fais CTRL-C pour le copier. Et c'est ce que j'écris ici. Ne pas oublier de rajouter un autre sous-répertoire, soit la variable pourcentage username pourcentage, qui va me permettre de créer des dossiers propres au nom d'utilisateur dans ce répertoire partagé-là. J'appuie sur OK pour activer le tout. J'ai un petit peu de misère avec mes fenêtres présentement. Je vais devoir agrandir ma fenêtre de machine virtuelle. Ah, là, voilà. Alors, OK. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vais avoir comme changement? On peut attendre le chargement du profil itinérant. Ça peut être intéressant, surtout dans les machines virtuelles. Des fois, il y a des petits délais ou dans les réseaux plus lents. Ça peut être intéressant d'activer pour que ça fonctionne. Ainsi que, il y a une autre chose qui est intéressante, ouverture de session. Il y a un point qui s'appelle toujours attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur. C'est quelque chose qui est intéressant d'activer lors, mettons, de l'ouverture de session avec des clients sans fil qui vont faire une autorisation d'ouverture de session via le Wi-Fi. Mais en ce qui nous concerne, ça va faire en sorte que le profil itinérant va mieux fonctionner. Alors, toujours attendre le réseau lors du démarrage. Une fois qu'on a nos trois objets de stratégie, alors évidemment, au niveau des paramètres de notre stratégie, ça ressemble tout simplement à ça. Je vais juste ajouter cette fonction-là pour bien voir le résultat. J'ai dans stratégie, modèle d'administration, ouverture de session, toujours attendre le réseau, attendre le chargement du profil itinérant et le définir avec le chemin qui est adéquat. Alors ça devrait être suffisant pour activer le profil itinérant sur mon serveur, sur mon client. Alors ce que je fais, c'est que je m'en vais tout de suite sur mon client. Je vais lancer un GP update slash force. Et une fois que ça va être fait, je vais redémarrer le client. C'est une stratégie qui nécessite souvent un redémarrage de client. Alors, pour celle-là, le GP update ne sera pas suffisant. Tout simplement, on m'indique ici là, de faire un redémarrage. On me demande de fermer la session, mais ce ne sera pas suffisant. Je vous propose très fortement de redémarrer le client rendu ici. On attend le redémarrage du client. Une fois l'ordinateur redémarré, on ouvre la session à nouveau avec Bart et son super, mot de passe magique. Et là, dès l'ouverture de session, étant donné que j'ai laissé traîner le répertoire dans le serveur qui est lié au partage, vous avez vu Bart.v2. Et ça, c'est caractéristique d'un dossier de profil itinérant de machine client Windows Vista et ultérieure. Alors, avant Windows Vista, le nom aurait été, avec un Windows XP par exemple, le nom aurait été Bart seulement.
Alors, Bart.v2 m'indique que ça, c'est un profil itinérant de Windows 7 ou de Windows Vista. Alors, évidemment, je n'ai pas le droit d'y aller. Pourquoi? Ben, c'est conséquent avec le type de partage que j'ai créé auparavant. Et lorsque mon utilisateur va effectuer des modifications, ben, lorsqu'il va fermer sa session, à partir de maintenant, ben, toutes les données de fermeture de session seront copiées à l'intérieur de son profil itinérant. Ça comprend tout, là. Tout ce qui est dans le dossier personnel de l'individu au complet. Les favoris, les documents, les bureaux, etc. Alors, le profil itinérant a été créé. Clac, le 8, c'est réglé. On est rendu avec un partage départemental complexe. On nous demande de créer un partage départemental, nommé répertoire, dans lequel il va y avoir des besoins. Alors, lire, exécuter, modifier, lire, exécuter, modifier, modifier et deny. Alors, on va devoir faire différents DL pour ça. Tout simplement, au niveau de devoir, on va devoir faire un DL qui va s'appeler SRV1 devoir RW, ou en tout cas, disons modif. Tiens, on peut l'appeler comme ça, devoir modif. Alors, ce qu'on fait quand on fait un DL de cette manière-là, c'est qu'on vient s'assurer que dans le nom du groupe, on a le droit. Alors ici, on a modif comme droit. On a le nom de la ressource, on a le nom du serveur, puis on a l'identifiant du type de groupe. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile après à gérer par la suite. Alors au niveau de la planif, on a devoir, paie et jeu. Alors ce qu'on devrait voir, c'est tout simplement des ressources comme ça, des ressources devoir. On va avoir un petit répertoire devoir, un répertoire paie et des répertoires jeu. Le répertoire devoir va avoir un accès en lecture-écriture, un accès en lecture seule, la paie à lecture-écriture, lecture seule, et les jeux lecture-écriture et lecture seule. En général, c'est ça qu'on a comme besoin. Alors, on regarde ici, lecture seule, lecture-écriture, rien, lecture seule, lecture-écriture. Lecture-écriture, il n'y a pas de lecture seule, mais il y a un deny, par contre, qui est explicite. Vraiment quelque chose de très fort au niveau des droits NTFS. Alors, c'est un besoin comme tel dans le jeu, je vais avoir besoin de deny. Je n'ai pas besoin nécessairement de read-only dans le jeu pour l'instant, mais je peux le faire pareil. Ça ne change rien, j'ai juste à mettre personne dans ce groupe-là. Par la suite, je vais avoir des DL qui vont être créés. Alors, mes DL vont être créés de la manière suivante. DL. SRV1, devoir, RW. Alors, la même chose pour RO. La même chose ici, DL, SRV1, P, RW. La même chose pour RO, etc. pour les jeux. Et par la suite, j'aurai juste à prendre mes groupes globaux, mes GL, et les mettre membres des groupes en fonction des besoins d'accès. Alors, je vais me fier sur ce tableau-là pour le faire. Alors, commencez toujours vos trucs en faisant tous vos groupes. Alors, les groupes GL ont déjà été faits dans le système, dans la partie 1 de la vidéo. On va aller faire nos groupes DL. Pour ça, ben, on a besoin d'Active Directory, Users and Computers, qui est juste ici. Oh, pardon, celui-là. On ouvre Springfield. On s'en va dans une unité organisationnelle quelconque. On va faire une unité organisationnelle uniquement pour les groupes Domain Local. Faites attention, hein, ce n'est pas les groupes locaux. Pas du tout pareil. Alors, les groupes DL, ce ne sont pas des groupes locaux. Ce sont des groupes qui sont enregistrés au niveau du domaine. Les groupes GS, c'est des groupes globaux qui vont transposer les domaines puis qui vont se promener à travers les différentes forêts des différents domaines. Alors, les groupes Domain Local, je vais me faire mon premier groupe que je vais appeler DL underscore, je vais l'appeler SRV1 parce que c'est sur le serveur 1 que va se trouver ce partage-là. Je vais l'appeler paie. Je pense qu'il y a un truc de paie et RW. Et je vais juste faire attention à juste copier la première partie de mon groupe pour pas être obligé de le refaire à chaque fois. Je m'assure que c'est d'un domaine local et je le crée. Je fais mon deuxième groupe, RO, domaine local et je le crée. Je fais mon troisième groupe. Hop, je modifie. C'est pas paie. Je me souviens même plus c'est quoi les autres partages. J'ai paie, jeu et devoir à faire. Donc, devoir. RW. Je vais copier ça pour faire mon héros après. Ça vaut la peine. Un peu paresseux, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Domaine local, c'est fait.
je crée mon devoir RO. J'emmène encore, c'est fait. Je vais créer finalement mon jeu. Alors, j'ajoute jeu AW. Je vais copier POC. Il s'agit de tout faire ces groupes. C'est pas très long. Quand on sait ce qu'on s'en va. Autant qu'il y a de besoin en accès, autant je fais des groupes. Oups, je me suis trompé. Et finalement, mon deny qui est propre à celui-là, domaine local, c'est réglé. Alors, techniquement, faites attention, vérifiez si vous avez tous les besoins et vérifiez aussi que tous vos groupes sont de type domaine local. S'ils ne sont pas, ben, vous devez supprimer pour le recommencer. Ça arrive des fois parce que quand on fait un nouveau groupe, ben, par défaut, c'est global. Alors, il faut faire attention à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va créer le partage. Alors, on a tous nos groupes déjà créés. On s'en va créer notre partage. Et on va créer le partage avec un autre utilitaire. On a fait tantôt, on a utilisé dossier partagé. On va utiliser vraiment l'utilitaire propre à Windows 2008 Server. Alors, on s'en va dans la gestion du partage et du stockage, que j'aurais pu ajouter à ma MMC, mais je ne l'ai pas fait. Alors, gestion du partage et du stockage, ça fonctionne un petit peu différemment, mais c'est très intéressant parce que je vois d'un seul coup d'œil tous mes partages et tous les quotas, les filtres, les clichés instantanés qui sont configurés. Pour faire un nouveau partage avec cette interface-là, prévoir le partage, on sélectionne l'emplacement. Il n'a pas encore été déterminé l'emplacement, donc je m'en vais dans le D. Je m'en vais dans Partage, puis je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler à l'intérieur de Partage, je vais juste voir comment je demande de le nommer. Répertoire, donc je vais l'appeler du même nom, ça peut être plus simple. Répertoire. Et je vais faire OK. Donc, je m'en vais dans mon répertoire Partage sur le D, je vais faire un dossier répertoire et c'est lui que je vais partager. Je fais suivant. Je vais modifier les autorisations NTFS. C'est ce qu'on fait en premier dans cette interface-là. Ce n'est pas un problème, c'est juste que les utilisateurs, par défaut, au niveau de la NTFS, si on analyse un petit peu précisément, ils ont le droit d'écrire. Et moi, je ne veux pas ça. Alors, je vais devoir bloquer l'héritage et aller m'assurer que ces deux droits-là d'écriture de dossier de fichier ne soient pas présents. Et je vais aussi m'assurer que les utilisateurs qui ont un droit de lire aient un droit de lire seulement au niveau du dossier de tête. Qui va me permettre de faire une différenciation par la suite dans les sous-dossiers. Je fais OK. OK. Ensuite de ça, je vais aller en mode simple pour faire ajouter et ajouter mes groupes DL. C'est tout. C'est tout ce que je fais au niveau de la NTFS pour ça. Les DL vont aller dans les sous-répertoires plus tard. Je fais OK. Je fais suivant. Le nom du partage, ça va être répertoire. Je me souviens ici. Je vais juste prendre en note le nom du partage exactement qu'il va avoir. Et à l'intérieur de ce partage-là, je vais avoir mes trois dossiers, mon dossier devoir, mon dossier paie, mon dossier jeu. Je vais d'ailleurs enlever ça ici pour faire une démo. Suivant. Je peux mettre une description si je veux. Je peux changer le nombre d'utilisateurs maximum. Je peux changer dans avancer la mise en cache. Seuls les fichiers spécifié, aucun fichier mis en cache ou tous les fichiers forcés de la mise en cache. Je vous déconseille la mise en cache pour des ordinateurs Windows XP, c'est pas très stable. Je vous conseille pas. Si vous faites activer l'énumération basée sur l'accès, ça c'est très 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 intéressant. Ça va rendre invisibles les dossiers pour les utilisateurs qui n'ont pas le droit à ce dossier-là. Alors par exemple, le dossier X, l'utilisateur Bart qui n'a pas le droit, ben il ne verra même pas le dossier. Alors, c'est un feature très intéressant, disponible uniquement dans l'interface de configuration propre à 2008. On fait suivant. Maintenant, les autorisations du partage en soi. Alors, on y va au niveau du partage. Le partage, tout le monde, on enlève tout le temps ça pour prendre les utilisateurs de notre système. On prend le groupe utilisateur tout simplement et on donne modifier. C'est à l'intérieur de notre partage, dans les dossiers qu'on va travailler nos DL puis nos droits plus précis. Alors, on donne un droit assez général ici. On fait appliquer et on fait suivant. On pourrait tout de suite appliquer un quota. On ne le fera pas parce qu'on va y aller plus tard. On va suivre l'exercice, mais on pourrait faire notre quota directement là. On pourrait appliquer des fils de fichiers directement là. On pourrait publier dans un espace de non-DFS. On ne le fera pas ici. On va le faire dans un autre épisode consacré à l'enrichissement.
Et on a tout le concept de ce qu'on a fait et on fait créer part. C'est tout. Alors, notre partage a été créé. Par contre, nos trois dossiers n'ont pas été créés. Et là, rien de plus facile. On s'en va directement dans le système de fichiers. On s'en va dans l'endroit où se trouve notre partage dans le répertoire et on fait nos dossiers. Un répertoire jeu, paf, un répertoire paix, paf, et un répertoire devoir. Oups. Alors ça va se retrouver à la racine de notre partage. Je vais modifier la sécurité de devoir. Je regarde la sécurité. Les utilisateurs ne sont pas là, bien sûr. On avait appliqué la sécurité de utilisateur uniquement au dossier parent. Donc, il n'est pas là. Donc, on n'a pas besoin de fermer l'héritage, quoi que ce soit. On va en modifier. On ajoute nos DL qui sont liés à devoir. Tac, tout d'un coup, les deux ensemble. Et on vient les ajuster. RW, on donne en général le droit de modif. RO, on donne le droit d'erreur. Veuillez à donner les DL en fonction des besoins réels que vous avez. Ça peut varier. C'est jamais la même chose nécessairement. Sécurité des deux jeux. On fait modifier. On fait ajouter. On va chercher nos DL qui sont en lien à des jeux. On en a trois. On a des NAI, RO puis RW. Tac. Tac. RW, on donne le droit. Hop là, je ne les ai pas ajustés par contre. RW, on donne le droit de modif. RO, on laisse par défaut. Et deny, on donne le droit de deny. Je vais avoir une alerte qui va me dire qu'on a des entrées refusées, ce qui a préséance sur les entrées autorisées. On est bien content. Paix. On modifie la sécurité MTFS. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas faire ça si on n'a pas nos DL, évidemment. Mes DL paient. Je rajoute mes deux DL. Zouk. J'ajuste. RO, je le laisse par défaut. RW, je le mets à modif. Appliquer. OK. Et c'est terminé. Alors, techniquement, j'ai tout fait ça et j'ai respecté AGDLP. Au quotidien, j'ai presque fini. Au quotidien, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais gérer mon utilitaire, mes utilisateurs ici, et je vais gérer mes GL, c'est eux qui sont au centre de l'univers. Alors, je vais voir les boss, et je vais dire, mes boss sont ceux-là, et ils ont droit de quoi? Ah, ben là, je vais aller voir. Mes boss ont le droit de modifier la paix, puis deny dans le jeu. Donc, je vais faire ajouter DL. Eux autres, ils ont le droit de modifier la paix, et deny dans le jeu. OK. OK, c'est fini. Alors que les élèves, eux, ont le droit de quoi? Je vais aller voir ici. Les élèves ont le droit de RO dans devoir et modifier dans jeu. Toujours les DL. RO dans devoir et modifier dans jeu. RW dans jeu. J'aurais pu écrire à modif, là, c'est pas très grave. Et les parents, je vais voir les parents. Modif dans devoir. RW dans devoir, RO dans paix, puis deny dans jeu. RW dans devoir, deny dans la paix. Oups, deny dans la paix. Non, RO dans la paix, pardon. RO dans la paix, hein, et deny dans jeu, comme ça. Alors ça, il faut que ça soit conséquent. Alors au quotidien, on va vraiment juste gérer ici. On ne pourra pas jamais aller dans la. On ne veut pas aller dans la NTFS au quotidien, sinon ça va être beaucoup trop lourd et vraiment pas performant au niveau de la gestion. Vous devez connecter automatiquement le lecteur réseau de ce partage en utilisant la lettre R selon la méthode de votre choix. Ça, c'est tout le monde. Hein? Tout le monde a le droit un peu à ça, les élèves, les parents, les boss. Alors moi, mon choix, c'est de faire une GPP. C'est le plus facile. Alors, je m'en vais dans ma gestion de stratégie de groupe. Je vais appliquer. Je vais créer une nouvelle GPP au niveau de mon unité organisationnelle principale ici, qui contient tout le monde. En tout, il y a tout le monde qui se trouve là. Je vais me créer un nouvel objet GPO que je vais appeler GPP Map Drive. Je ne sais pas quelle lettre de lecteur on me demande. La lettre R. R sur le nom de répertoire. Alors, j'indique qu'est-ce que ma GPP va faire. Je m'en vais modifier ma GPP. Je lui vais de nouveau utilisateur, dans préférences, paramètres Windows, ma page de lecteur. Et je fais un nouveau mappage. Où est-ce que je vais faire mettre à jour l'emplacement, ben, backslash, SRV1, etc. Là, le répertoire. Si vous voulez être sûr de votre shot, faites démarrer, backslash, SRV1.
Vous allez chercher votre dossier, vous faites copier, puis vous le collez là. Comme ça, vous êtes certain que ça existe pour le vrai sans erreur de frappe. La lettre de lecteur, on y va avec la lettre A, telle que recommandée. Toujours faire afficher les lecteurs au complet. On n'a pas d'autre option à mettre dans la GPP. C'est tout. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est aller du point de vue du client et on vérifie tout de suite. Donc, pas du point de vue du client. On ouvre une session avec Bart. Et Bart, évidemment, peut-être qu'il va falloir faire un GP update. Là. On ne l'a pas fait encore sur le client. Mais techniquement, si le GP update est embarqué, on devrait avoir le répertoire sur la lettre R. S'il n'est pas là, allez vérifier à la ligne de commande, pas la ligne de commande, mais avec, allez vérifier si vous avez accès au partage à partir du client, si vous êtes capable d'aller dans le partage. Alors, vous voyez, comme on a configuré l'accès sur l'énumération, on ne voit pas le répertoire auquel on n'a pas accès. On voit juste les devoirs et les jeux. Les devoirs, on vérifie qu'on n'est pas capable d'écrire, ce qui est excellent. Et les jeux, on vérifie qu'on est capable d'écrire. Et on est capable d'écrire ce qu'on veut, c'est les dossiers des jeux, c'est les enfants, c'est ce qu'ils veulent faire. Alors, dans l'exercice, on vous demande de vérifier avec un boss, avec un élève, puis avec un parent. Donc, créer un fichier dans le répertoire des jeux, résultat attendu, réussite. Créer un fichier dans le répertoire devoir, résultat attendu, échec. Alors, vous devez faire chacune de ces opérations-là avec chacun des utilisateurs, un utilisateur par groupe, si on veut, un boss, un parent puis un élève. Et vous devez vous assurer que les résultats attendus soient les bons dans l'exercice. Si ce n'est pas les bons, bien, vous avez un problème de droit ou de permission, puis il faut le corriger ou refaire l'exercice à partir de zéro. 10. Quota et filtre. On va appliquer un filtre maintenant sur le dossier jeu pour empêcher la copie de fichiers multimédia. Ah ah! Donc, on s'en va avec l'utilitaire propre à Windows 2008, gestionnaire de ressources, gestion des filtres. On va créer un filtre de fichiers. À quel endroit? Bien, on va dans Data, Partage, Répertoire, Jeu. On va bloquer quel genre de truc empêcher la copie de fichiers multimédia. Alors, par défaut, on a déjà un filtre déjà existant qui fait bloquer les fichiers audio et vidéo. On peut faire créer et c'est tout. Alors, sinon, on aurait pu faire aussi un nouveau filtre de fichiers. On peut l'appliquer n'importe où. Disons, je l'applique ici. J'aurais pu aller dans les propriétés personnalisées et créer moi-même le genre de filtrage que je veux, soit actif qui empêche les gens ou passif qui me permet de vérifier ou d'auditer ou d'analyser ce que les gens font à partir de certains types de fichiers. Alors, j'ai préféré en utiliser un qui était déjà existant d'avance. Alors, le filtre de fichiers, c'est tout. C'est appliqué. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux aller vérifier le résultat par contre. Alors, disons que j'ai mon Windows 7 qui est là. Je vais aller sur le bureau. Je vais me créer un nouveau. En fait, je vais voir si j'ai des peut-être des MP3 là-dedans ou quelque chose comme ça. Non, je vais me créer un faux MP3. Alors, je vais me prendre un document texte. Je vais aller modifier les options de dossier pour faire afficher les extensions. Alors, on fait les tests qu'on peut, hein, évidemment. Fait que je renomme mon nouveau document texte .mp3 pour faire semblant que c'est un MP3. Je fais oui. Et je prends mon MP3 et j'essaye de le copier dans le répertoire de jeu et je n'ai pas le droit de le faire. Alors, ça fonctionne. Alors que j'ai juste à renommer mon fichier MP, carrément. MP, c'est pas reconnu comme étant une... Et j'ai le droit de le copier. Fait que mon test est fait. Mon numéro 10 fonctionne. Numéro 11, sauvegarde du... J'ai un quota à faire. Appliquer un quota limité à 100 MB d'espace disque du dossier jeu. Alors, je veux bloquer mon dossier jeu à 100 MB. Alors, je m'en vais dans les quotas. Je vais créer un quota. J'ai une limite de 100 MB déjà existante ici. Je vais l'appliquer sur mon répertoire jeu seulement. Et j'applique un quota de 100 MB. C'est une limite inconditionnelle, c'est-à-dire que il n'y a pas de condition. Je peux la faire manuellement aussi. Je pourrais faire limite de 100 MB inconditionnelle. On va faire une description. Avec ou sans notification. Les notifications, c'est pour avoir des enregistrements dans l'observatoire d'événements, etc. C'est pas nécessaire.
On peut se faire envoyer des courriels aussi. On peut le faire. On pourrait aussi faire juste une vérification avec un quota conditionnel. Donc, les autorisations, les utilisateurs vont être autorisés à dépasser la limite. Mais ça sert juste à vérifier ou analyser. Alors, moi, j'empêche le 100 MB. Je le fais. OK. Je crée. Je n'ai pas de modèle pour l'instant. J'enregistre le quota sans modèle et j'ai mon quota. Et là, encore une fois, c'est très bon d'essayer de vérifier. Alors, pour vérifier 100 MB, ben, il faut copier 100 MB dans le partage. Alors, je vais aller chercher, disons, 100 MB de fichiers. Alors, je vais dans Programme. Si je vais ici, disons, ça coûte 5 MB, là, c'est pas très gros, là. Alors, si je prends, disons, ça ici, propriété, c'est comme en gros 6 MB, ça va pas bien. Internet Explorer, 4 MB, c'est pas très gros, hein. Finalement, je vais aller dans Windows, ça va être un petit peu plus gros. Si je prends Windows System 32, ça devrait être un petit peu plus juicy. Alors, je prends System 32, puis je le copie tout simplement dans mon répertoire jeu, juste pour tester. Tac. Et j'ai espace insuffisant. Alors, j'ai 51 MB. Il me manque 60 MB pour pouvoir le copier. Alors, je ne peux pas faire ça dans ce répertoire-là. J'ai atteint ma limite. Alors, mon quota fonctionne. Et je suis rendu au numéro 11, sauvegarde du serveur. Alors, on ajoute la fonctionnalité au besoin. Je vais vous montrer comment ajouter la fonctionnalité. On s'en va dans le gestionnaire de serveur. On va dans fonctionnalité et on clique sur, pardon, fonctionnalité, bien sûr. On clique sur ajouter des fonctionnalités. Pour la sauvegarde, c'est fonctionnalité de sauvegarde de Windows Server. On peut mettre les outils en ligne de commande si on veut. On fait suivant et on fait installer. Alors, ça va installer la fonctionnalité de sauvegarde. Pendant ce temps-là, on va regarder ce qu'on a à faire. S'assurer d'avoir l'espace, habituellement deux fois la quantité. Dans votre serveur, utilisez une partition unique pour la sauvegarde. Donc, dans notre serveur, on va utiliser la partition backup. On a trois partitions dans le serveur. On va utiliser celle-là pour faire le backup. Lorsque c'est nécessaire, réduire un volume pour faire l'exercice, ce ne sera pas nécessaire présentement. On me demande de faire la sauvegarde du dossier de partage du lundi au vendredi à 19 h. Bon, ben parfait. Fait qu'on va aller faire ça. Donc, le truc a été installé. On va faire une recherche de SAUV, sauvegarde de Windows Server. Par défaut, la sauvegarde démarre. En fait, il est en train d'analyser qu'est-ce qui s'est passé dans les sauvegardes depuis la nuit des temps. Et comme il ne s'est rien passé, on va avoir un résultat vide au niveau des messages. On va faire une planification de sauvegarde ici dans le menu Actions. On fait suivant. On fait personnaliser. On ne veut pas avoir le serveur en entier. On va ajouter des éléments, soit notre répertoire data, et on veut tout simplement le dossier partage du répertoire data. On ne fera pas nécessairement tout là, ici. On peut aller dans les paramètres avancés si on veut. Il y a certaines exclusions qu'on peut configurer. On n'en mettra pas. Tous les jours, à 21 h, ça c'est par défaut, je pense, à 19 h, lundi au vendredi. Alors, on n'a pas l'option de tous les jours, du lundi au vendredi. On fait suivant. Sauvegarder vers un volume. Le volume, ben, ça va être le volume backup, tout simplement. Et j'ai ma planification qui est effectuée. Alors, il va y avoir une entrée dans le planificateur de tâches qui va être fait. Par contre, si je veux exécuter cette configuration-là tout de suite, je clique sur « Sauvegarde unique », puis je sélectionne « Option de sauvegarde planifiée », suivant « Sauvegarde ». Il n'y a pas beaucoup d'options en serveur 2008, et c'est ce qui fait que ça fonctionne un petit peu mieux en général. Alors, il y a la création d'un cliché instantané, puis la sauvegarde des fichiers, tout simplement. Alors, il n'y a pas beaucoup de fichiers à sauvegarder, là. 1,64 MB de fichiers, ça ne sera pas très long au niveau de la sauvegarde. On va être à même d'aller voir le résultat. Le résultat, c'est quoi? Ben, c'est un répertoire qui s'appelle Windows Image Backup et on est capable d'aller chercher notre backup à l'intérieur ici. Et notre backup, il est ici, c'est un fichier VHD. Il est juste là.
Pour faire la restauration, on fait l'opération inverse. On peut faire récupérer et on récupère ce serveur. Puis là, on va montrer sur un calendrier les endroits sur le calendrier où il y a des sauvegardes. On va être capable de faire le suivant. On va récupérer des fichiers puis des dossiers précis. Puis là, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir la sauvegarde, puis il va montrer les fichiers qui ont été sauvegardés. Et je suis capable de récupérer certains items de façon très précise. Alors, je suis capable de prendre BART, tout le dossier redirection suivant. Je suis capable de le restaurer à l'emplacement d'origine, créer des copies pour être sûr de vérifier, etc. On peut faire ça automatique ou on peut se taper aussi une petite restauration manuelle. Alors, je vais vous montrer comment. C'est pas mauvais de savoir ça. Alors, on est dans la gestion de l'ordinateur et on est dans la gestion du stockage. Alors, on va voir le type de gestion des disques de Windows. Quand on clique droit sur la gestion des disques, on est capable d'attacher un disque dur virtuel. Et notre sauvegarde a créé un disque dur virtuel, justement. Alors, dans Backup, dans Windows Image Backup, je vais charger mon backup. Mon VHD est ici. Je fais ouvrir. Je le mets en lecture seule pour être sûr de ne pas effacer ma sauvegarde, évidemment. Et je fais OK. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la monter. Littéralement, il va lui donner une lettre de lecteur. Et je vais être capable d'accéder à mon fichier de sauvegarde via l'explorateur Windows, carrément avec une lettre de lecteur. Alors, voyez-vous, il a donné la lettre G. Fait que là, j'ouvre mon explorateur Windows. J'ai deux data. Ça, c'est mon original. Ça, c'est mon backup. Puis là, je vais chercher mes fichiers manuellement. Je vais les ouvrir, puis je vais les copier où je veux. Alors, c'est les deux méthodes pour aller récupérer. Je clique droit, je fais détacher un disque dur virtuel quand je veux enlever la connexion. Je ne sélectionne pas supprimer le fichier, évidemment, si je veux garder ma sauvegarde. Et il va la déconnecter et je reviens avec mon système original. C'était les sauvegardes. Sauvegarde manuelle des configurations. Alors, on me demande de sauvegarder manuellement des trucs comme le DHCP, les GPO, puis les entrées DNS. Stratégie de pare-feu, ça a été fait. Alors, DHCP. MAMMC. Personnalisé avec l'item DHCP là. Je vais choisir mon serveur. Alors, il faut vraiment que je sélectionne le nom du serveur. Je clique droit, je fais sauvegarder. Et là, je suis capable de sauvegarder à un endroit la configuration du DHCP. Alors, je le note dans Backup, sauvegarde manuelle. Tac. Et j'ai sauvegardé manuellement mon DHCP. Alors, le fichier est ici, dans Backup, sauvegarde manuelle, mon DHCP est là. Si je veux, je peux l'essayer. Alors, mon étendue que j'ai si bien faite, qui fonctionne si bien, je la supprime. J'ai perdu mon étendue. Il n'y en a plus. Je clique droit sur mon serveur. Je fais restaurer. Je vais pointer à l'utilitaire l'endroit où se trouve mon backup dans sauvegarde manuelle que je l'ai mis, vu que je suis organisé. Il dit, hey, attention, le service doit être arrêté, redémarré. Voulez-vous le faire? Oui. Il va effectuer l'arrêt du service, la restauration de la configuration. C'est très, très court. Et il va redémarrer le service DHCP. Et je vais être à même de constater que, une fois que c'est fait, mon étendue est reviendue, comme on dirait. DNS. Le DNS, un petit peu plus compliqué. Je ne peux pas sauvegarder le DNS. Je ne peux pas rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est explorer la liste, exporter les listes de fichiers. Alors, je pourrais aller chercher dans ma zone de recherche directe, par exemple, puis je pourrais faire des exportations de listes. Par exemple, sur le bureau, ou je vais aller dans le même répertoire que tantôt, là, dans Backup, sauvegarde manuelle. Puis là, je pourrais donner zone directe. Je pourrais me chercher une liste des enregistrements de mon système. Alors, ça me donnerait vraiment la liste de mes ordinateurs avec le nom d'hôte et l'adresse IP. Alors, liste par liste, il faut que je les sorte pour le DNS, c'est un petit peu plus archaïque. Et finalement, GPO, GPP, comment je fais pour sauvegarder ça? Ça, c'est vraiment le fun. Stratégie de groupe. Je m'en vais dans mon système, dans mon domaine. Je m'en vais chercher mes objets de stratégie de groupe, l'endroit où ils sont tous enregistrés. Je clique droit dessus, puis je fais sauvegarder tout. Et encore une fois, je lui donne un répertoire dans Backup, dans sauvegarde manuelle. Mais là, je fais un répertoire GPO, là, parce que sinon, ça va être un peu le bazar. Je peux faire une description et je fais une sauvegarde. Et il va sauvegarder l'ensemble de mes stratégies de groupe. Toutes mes GPO, mes GPP qui sont ici vont être sauvegardées exactement dans mon item GPO ici. Il est en train de les copier présentement.
Fait que 5 objets GPO ont été sauvegardés à ma très grande joie. Tenter la restauration du serveur. On l'a fait. Active Directory, ça va faire partie d'enregistrement peut-être. Installation locale ou réseau d'une imprimante. Alors, il faut installer l'imprimante du local sur le serveur. Alors, pour être capable de faire une installation d'imprimante, il faut vous assurer d'une chose, c'est que jusqu'à date, au début, on a commencé notre serveur avec la carte réseau qui est ici. La carte réseau en date de désactiver. Pour installer l'imprimante, il faut absolument que cette carte-là soit activée. Pour vous assurer que tout va fonctionner, vous devez partir une ligne de commande et faire un ping pour l'adresse IP du serveur. Alors, moi, je ne suis pas dans une classe présentement, fait que je ne ferai pas le ping d'une vraie imprimante du serveur. Je vais faire une autre imprimante qui existe dans le bureau où je suis présentement. Alors, je vais juste aller chercher l'adresse IP et on va faire un ping avant de commencer. Alors, j'ai mon adresse IP, j'ai été la chercher. Je vais faire un ping sur l'adresse 10.27.20.20. À partir de ma machine virtuelle, je dois absolument avoir une réponse positive là, de l'imprimante avant même de commencer quoi que ce soit. Une fois que j'ai mon réponse positive, je suis capable de la rejoindre, mon imprimante réseau, mais je vais dans Périphérique imprimante et je vais carrément l'installer. Alors, je vais faire ajouter une imprimante. C'est une imprimante locale qu'on installe avec un nouveau port de type TCP/IP. Alors, en général, ces imprimantes réseau-là, c'est comme ça qu'on les installe. 10.27.20.20 au niveau de l'adresse IP. Je vais laisser l'interrogation de l'imprimante activée et l'ordinateur va interroger l'imprimante, déterminer s'il connaît le pilote. S'il n'y a pas le pilote, ben, il va te demander de l'installer. Le nom de l'imprimante, ben, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle, j'ai tendance à appeler les imprimantes, à les renommer, à donner soit le numéro du local, mettons, moi, je suis dans 114, donc je fais 114-Lexmark 640. Puis, je mets des fois des indications comme NB pour noir et blanc ou couleur pour des imprimantes couleur. J'ai tendance à ne pas mettre d'espace pour faciliter les divisions via les scripts. Alors, je fais suivant. Ça va procéder à l'installation de l'imprimante. Puis, par la suite, on va me demander si on veut la partager. Alors, oui, je la partage avec le même nom. Emplacement, vous mettez le numéro du local ou peu importe elle est où. Vous pouvez mettre un commentaire sur les particularités de l'imprimante. Suivant. Terminé. Alors, je vais aller voir, je vais cliquer droit, je vais aller dans les propriétés de l'imprimante installée pour voir un peu les propriétés de partage. Et voyez-vous ici que vous pouvez faire une liste dans l'annuaire et je vous conseille très fortement de cliquer sur ce bouton-là. Ça va vous permettre de retrouver votre imprimante partagée beaucoup plus facilement. De plus, vous pourriez en théorie installer des pilotes supplémentaires. Sauf que l'expérience nous a montré que c'est beaucoup plus compliqué d'installer une imprimante avec des pilotes de 32 bits sur un système 64 bits. Donc, c'est pas toujours super fonctionnel. À ce moment-là, vous pourriez être contraint d'installer vos imprimantes, de partager vos imprimantes à l'aide d'un système 32 bits, donc peut-être à la limite un serveur 2003. Toujours est-il qu'une fois qu'elle est partagée, cette imprimante-là, évidemment, l'imprimante, vous pourriez, pardon, j'ai oublié de spécifier, comme toute ressource, vous pourriez modifier la sécurité, vous pourriez changer, vous pourriez enlever le droit de l'impression à tout le monde pour donner des groupes DL, tout simplement, pour pouvoir faire de la gestion un peu plus avancée. Donc, notre imprimante, elle est installée et une fois le fonctionnement de la GPP, alors donc, diffuser et installer l'imprimante via une GPP pour les parents de manière à ce qu'elle soit par défaut. Alors, donc, on va y aller seulement pour les parents avec une GPP. Alors, maintenant, le fun commence. On va partir notre console et on va aller carrément dans Utilisateur et ordinateur Active Directory. Pourquoi? Parce que dans mon unité principale d'usager, j'ai un OU DM, mais j'ai pas de OU de parents. Alors, ça va me prendre une OU qui va contenir les parents. Alors, je vais juste lire le problème jusqu'au bout. Alors, les parents, puis les boss seulement. Alors, ça va me causer un problème. Pourquoi? Parce que j'ai le Chief Wiggum. Le Chief Wiggum, lui, il est dans les deux. Alors, je ne l'avais pas vu comme ça, mais disons que ça nous amène une particularité
quelque chose qui est assez particulier. Alors, s'il n'y a pas d'autres modifications que ça, il y a juste l'imprimante qui fait la différence, on va y aller de la manière suivante. On va lier notre GPO et notre GPP, les deux, directement à l'unité organisationnelle Users. Alors, propriété, POC. Pardon, propriété, qu'est-ce que je dis là? On s'en va dans les gestions de stratégie de groupe. Dans les Users. Je sais que les chefs, puis tout le monde est là, là, je le sais. On va créer, puis on va lier notre GPO. Et là, on va faire une GPO un peu particulière, on va faire une GPP de niveau User, qui va me coller l'imprimante, disons, Lexmark. Alors, je la nomme. Seulement pour, et c'est rare, là, mais là, je vais mettre vraiment, seulement pour les parents, et je vais le mettre dans le nom. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais le mettre dans le nom de la GPO. Pourquoi? Parce que cette GPO-là, je vais faire un fil de sécurité, je vais enlever les utilisateurs authentifiés, puis je vais ajouter juste le groupe GL des parents. C'est bien ça, je veux juste pas me tromper de groupe, là. Oui, alors la GPP, tac, 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 des parents. Alors, je vais faire un filtrage de sécurité. Fait que ma GPP va juste s'appliquer à eux autres. Je vais faire aussi tout de suite mon autre GPO, mon autre GPP, en fait ça va être une GPO l'autre, de niveau user, l'imprimante, toujours l'imprimante Lexmark, et je vais la configurer uniquement pour les boss. Alors je fais ma GPP, il n'y a rien dedans, il est vraiment vide, par contre je supprime les utilisateurs authentifiés, puis j'ajoute le GL de boss. Alors, ça me permet de faire des différenciations au niveau des GPO. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement qu'il y a des usagers qui sont et dans les boss et dans les parents. Alors, je vais commencer avec ma GPP. GPP, on fait ça comme ça. Modifier. Au niveau utilisateur préférence, paramètres du panneau de config, on s'en va dans les imprimante. On fait une nouvelle imprimante partagée et comme elle a été diffusée dans Active Directory, publiée dans Active Directory, le système va la trouver tout de suite. Alors, c'est très facile de chercher une imprimante dans Active Directory quand elle a été publiée et on nous demande de définir l'imprimante par défaut. Pour de façon à ce qu'elle soit par défaut. Paf! C'est réglé. On installe. On fait appliquer et c'est tout. Alors, on va vérifier juste cette GPP-là. On va vérifier voir si ça fonctionne, si c'est fonctionnel, s'il n'y a pas de problème. Alors, je vais devoir prendre un parent pour vérifier son fonctionnement. Alors, je m'en vais sur mon client. Évidemment, je vais ouvrir une ligne de commande. Je vais faire un GP update / force avant de fermer ma session puis rouvrir ma session. On me demande de fermer la session. Ah ben oui, tiens, on va la fermer. Pour ouvrir la session avec, disons, Homer, qu'on n'a pas encore utilisé. Alors, changer d'utilisateur, autre utilisateur, Homer. Et donc, techniquement, Homer étant un parent, il devrait se voir installer l'imprimante réseau de façon automatisée. On attend l'ouverture de session. Alors, l'ordinateur a ouvert la session avec Homer. On va aller vérifier maintenant si notre GPP a été fonctionnel. Alors, on va dans périphérique et imprimante. Et on constate que l'imprimante a été installée et a été placée par défaut pour l'ordinateur. Alors, c'est vraiment ça qu'on veut. Alors, une fois qu'on a fait notre test, ce que je vous conseille de faire, c'est de supprimer, ou en tout cas déconnecter, supprimer le périphérique. Pour pouvoir tester la GPO, on va devoir désactiver ou enlever l'activation de l'imprimante de cette GPP-là. C'est très important parce qu'évidemment, on ne pourra pas différencier la GPO puis la GPP avec le même client. C'est pour cette raison-là qu'on fait ça. Alors, la GPO, quant à elle, on va la construire ou on va la gérer différemment.
Alors, on va la gérer à partir de l'utilitaire de gestionnaire d'impression qui est propre à Serveur 2008. Alors, gestion de l'impression, vous pouvez aller dans Démarrer, Outils d'administration, gestion de l'impression si vous le désirez. On va aller voir les différents serveurs. Dans les serveurs, on voit les différentes imprimantes et on peut cliquer droit sur une imprimante qui a été installée localement pour la déployer avec une stratégie de groupe. Vous avez remarqué que j'ai fait la stratégie, mais que je ne l'ai pas modifiée. Alors, cet utilitaire-là va le faire pour vous de façon beaucoup plus facile. Alors, je vais le déployer. Je vais aller chercher ma GPO de tantôt. Je l'ai appelée, elle est dans ici, elle est dans Users. Alors, je l'appelle, elle s'appelle là, GPO User pour les boss. Je vais utiliser ça. Je vais la déployer au niveau des utilisateurs. Puis, je vais aller chercher mon imprimante que j'ai besoin. Tout simplement. POC. Et si je regarde, techniquement, il devrait y avoir une imprimante qui est déployée. Je pense que j'ai oublié juste de cocher quelque chose. Je vais revenir au niveau de la déploiement. Je vais recommencer mon déploiement et j'ai oublié de l'activer. C'est mon erreur. Alors, je recommence, je sélectionne ma GPO, je sélectionne l'utilisateur et je clique sur ajouter. Ah, là, c'est bon. Alors, donc, j'avais oublié d'ajouter. Alors, j'ai mon imprimante qui a été déployée sur tel GPO, un type de connexion par utilisateur. Et là, j'ai ma GPO qui a été, mon imprimante qui a été déployée via ma GPO. Alors, le résultat va être le même, évidemment. Mais pour seulement pour les boss. Alors, vous pourriez faire la vérification avec un client. On fait GP Update Task Force. On rouvre la session avec Homer. Toujours pas d'imprimante. Normal, c'est pas un boss. Et on ferme la session avec Homer. On rouvre la session avec un autre utilisateur, tel que Mr. Burns, par exemple. Puis, Mr. Burns devrait être capable d'ouvrir l'ordinateur et d'avoir une imprimante. Et non pas Brun, mais Burns. Et voilà. Alors, on attend l'ouverture de la session et on vérifie. Alors, la session avec Mr. Burns, qui est un boss, a été ouverte. Et finalement, on peut voir que dans les liens périphériques, j'espère que ça a fonctionné. Oui. Alors, l'imprimante, elle a été installée et elle a été poussée via une GPO. Alors, c'est très avantageux d'utiliser ça. Ça nous permet, en fait, cet utilitaire-là de 2008 nous permet de gérer tous les serveurs d'impression de notre domaine d'un seul coup. On les voit tous, on est capable de voir la liste des pilotes, on est capable de voir des formulaires, on est capable de voir les ports, on est capable de gérer vraiment nos imprimantes, de suspendre les impressions, d'ouvrir les files d'attente des imprimantes, mais pas juste d'un serveur, mais de tous les serveurs de notre domaine. Alors, c'est un gros avantage de cet utilitaire-là qui est propre à 2008 seulement. Configuration du DNS. On nous demande de configurer un redirecteur. Qu'est-ce que c'est un redirecteur? Ben, on va aller voir un peu. Premièrement, on va configurer le serveur comme il faut. C'est-à-dire qu'au niveau de mes deux cartes, au niveau des deux cartes, il ne devrait pas avoir de DNS automatique au niveau de ma carte en NAT. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 127.0.0.1 au niveau de ma carte qui me donne accès à Internet d'un côté. Et je vais m'assurer que ce soit 127.0.0.1 au niveau du DNS de mes deux cartes. Donc, présentement, toute ma résolution de nom devrait se faire en théorie avec mon propre serveur DNS. Je vais juste vérifier ipconfig/flushdns sur mon serveur. Je vais vider ma cache de DNS pour faire mes tests. Et je vais aller vérifier. Avant de faire un ping quelconque, je vais aller vérifier dans le serveur DNS, au niveau du serveur 1, dans les propriétés du serveur, quels sont les redirecteurs qui sont enregistrés. Présentement, il n'y a aucun redirecteur enregistré. Le résultat devrait être le suivant, c'est qu'on devrait avoir aucune façon de résoudre des noms sur Internet. Alors, on va essayer de faire ce test. Alors, j'ai appuyé sur pause peut-être un peu longtemps. Pour faire certaines validations, parce que je m'alignais sincèrement sur quelque chose qui était une problématique en 2003, puis je vois qu'en 2008, c'est réglé. Alors, je vais faire la démonstration un peu de ce qui est réglé. C'est pas extraordinaire, mais peu importe ce qu'on fait, on est capable de faire un NSLOOKUP
tant qu'on a une connexion Internet, évidemment, puis de résoudre n'importe quoi. Donc, yahoo.com, on peut résoudre le problème, on peut résoudre, il n'y a pas de trouble. Je vais vous montrer une particularité de qu'est-ce que c'est qu'une redirection en soi. Par exemple, redirecteur. Par exemple, si je demande moodle.mika.ca, qui est un serveur à l'interne, présentement, je devrais avoir une adresse qui est interne. J'aimerais ça avoir une adresse interne et on me donne une adresse externe. Pourquoi? On va aller voir ça. Alors, dans les propriétés de mon serveur, dans les propriétés de mon serveur, j'ai des redirecteurs. Les redirecteurs, qu'est-ce que c'est? C'est des serveurs que je peux utiliser pour renvoyer une demande DNS que je ne suis pas capable de résoudre moi-même. Alors, par exemple, ici, je pourrais mettre un serveur interne de la CSDM. Alors, 10.28.2.6. Ça va m'éviter. Alors, ils sont en train de valider le nom de ce serveur de domaine-là. Ça va m'éviter, en fait, j'aurais pu te donner 10.28.2.6. Ça va m'éviter, en fait, de demander au serveur de tête. Alors, j'enlève les indications racines, en fait. J'enlève ici, utiliser les indications racines si aucun redirecteur n'est disponible. Je fais appliquer. Techniquement, si ça fonctionne, je vais juste redémarrer mon serveur DNS pour être certain que ça fonctionne. Et je vais juste effacer le cache, ainsi que effacer le cache exit ici, ipconfig slash flush DNS. Je veux juste être certain que ce ne soit pas dans la cache là, avant que je fasse mon test. Lorsque je fais la même demande, techniquement, je n'ai pas la même réponse. Alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors ça marche, je suis un peu content quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'on a, la première fois que j'ai demandé moodle.mika.ca, j'ai eu une adresse externe. Pourquoi? Parce que mon serveur DNS, par défaut, va interroger les serveurs racines qui sont sur Internet. Pour un .ca, ils vont interroger le .ca. Alors que là, en lui forçant un redirecteur, c'est moi qui décide quel serveur DNS il va aller consulter. Et là, ça me permet d'avoir un serveur DNS qui est vraiment celui que je veux. Alors, je vais remontrer tranquillement la configuration. C'est très subtil au niveau du serveur DNS. Alors, dans le serveur DNS, propriété, c'est au niveau des redirecteurs. Et c'est là qu'on va mettre un redirecteur. Et quand on a un redirecteur, on peut décocher cette case-là. À ce moment-là, le serveur n'ira pas consulter les serveurs racines. Sinon, ben, il va aller chercher l'information sur les serveurs racines ici qui sont sur Internet et qui sont disponibles publiquement pour les CA, les .com, les .net, etc. Donc, ça nous permet de travailler un petit peu plus précisément. Par contre, ça fait partie un peu de ce qui est d'enrichissement. On vous demande de faire une zone de recherche inversée. Alors ça peut être utile parce que mon NSLOOKUP me donnera pas de réponse si je lui dis par contre 172.20.0.1, il ne donnera pas de réponse. Par contre, si je fais une zone de recherche inverse, il va pouvoir. Ça peut être pratique. Alors, nouvelle zone de recherche inverse. Zone principale. La mise à jour, c'est vers les contrôleurs de domaine de Springfield. Zone de recherche inverse IPv4. On donne le début de l'adresse IP, 172.20.0. C'est tout. Et on fait autoriser les mises à jour dynamiques sécurisées. C'est terminé. Et dans la dernière zone de recherche inversée, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un nouveau pointeur PTR directement sur notre serveur. À partir de la zone de recherche directe, on va chercher notre serveur 1 et on fait l'autorisation à tous les utilisateurs. C'est tout. Alors, de cette manière-là, ben, on va être capable de faire une résolution inversée. Et à partir de maintenant aussi, quand il va y avoir des nouveaux autres qui vont s'ajouter, ils vont être ajoutés à la zone de recherche inversée aussi. Qui va nous permettre, incidemment, de... il faut que je flush encore mon DNS pour pouvoir faire ça. Ce qui devrait nous permettre de pouvoir avoir une réponse lorsque je fais une adresse IP telle que montrée présentement. Alors, je suis dans la commande NSLOOKUP ici. N'oubliez pas de faire ipconfig slash flush DNS à toutes les fois que vous faites un test, qu'il y a une erreur, vous modifiez le serveur DNS, faites flush DNS, sinon vous allez avoir encore l'erreur même si elle a été réparée.
Ça, c'est fait. Tester le coup avec un SLOOKUP. Installer le rôle IIS. Assurer que le serveur web soit joignable depuis votre client. Alors, je vais faire ça. On va installer le rôle IIS dans le serveur. Je m'en vais dans les rôles. Je m'en vais ajouter un rôle. J'installe le rôle IIS par défaut, sans vraiment changer quoi que ce soit, à part peut-être le FTP s'il n'est pas là par défaut. Serveur FTP, parce que je vais en avoir besoin tout de suite après. Ma console de gestion IIS va être là, c'est celle-là que je vais avoir le besoin. Je pourrais faire des filtres, là, je pourrais faire des filtrages d'IP, de domaine, d'authentification de base. Je pourrais faire différentes fonctions. Je pourrais peut-être faire mon authentification de base comme ça, filtrage de demande, restriction IP de domaine. Je pourrais mettre plein de sécurité dans mon serveur. Si je n'ai pas installé les particularités ou les fonctionnalités, bien, je peux les réinstaller par la suite s'il m'en manque. C'est tout. Donc, on va attendre l'installation du rôle IIS. L'installation a été un franc succès. On va démarrer la console de gestion. Alors, console de gestion de IIS, gestionnaire des services IIS. Fermer le reste. On agrandit ça. Dans la console de gestion, ce qu'on a, c'est dans la rangée de gauche, on va avoir les serveurs web puis les serveurs FTP qui sont là. Dans les sites, par défaut, on a un default website qu'on peut voir. Et il faut tout de suite vérifier avec notre client si on est capable d'accéder à notre serveur. Alors, on démarre Internet Explorer. On peut arrêter l'ouverture de la page par défaut parce que ce n'est pas très important. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est http://, SRV1, simplement le nom de mon serveur. Et techniquement, je devrais avoir IIS qui va me répondre. Je devrais avoir la page de démarrage par défaut de IIS version 7. Alors, ça fonctionne bien. Alors, tout ce qui était demandé dans l'exercice, c'était d'installer un rôle, s'assurer que votre serveur web soit joignable de votre client. Ah, je demandais de configurer le DNS pour qu'on puisse l'appeler intranet. Alors, ça, c'est pas dans le IIS qu'il faut aller, c'est dans DNS. Alors, DNS, book. Un jour, la console va démarrer. Je m'en vais dans ma zone de recherche directe et je vais créer un alias. L'alias va s'appeler intranet et devra porter ou être pointé vers srv1.springfield.local. Si vous faites une faute de frappe, ça ne marchera pas. Vous pouvez toujours aller chercher à la main. On autorise les mises à jour. Poc! J'ai mon alias qui est fait. À ce moment-là, je vais vérifier son fonctionnement directement sur mon client. http://intranet. Et ça devrait pointer vers serveur 1, donc avoir aussi une réponse identique. Je pourrais aussi, toujours par défaut, je retourne à mon serveur, là, puis j'aimerais ça modifier, si on veut, mon serveur web par défaut. Je pourrais carrément le supprimer. Puis je pourrais en faire un autre, en fait. Alors, où est-ce que je vais le faire? Bien, je vais le faire tout simplement dans Data. Je vais l'appeler nouveau dossier www. Tiens, c'est ce dossier-là que je vais partager. Je vais m'assurer que ce dossier-là, il y a une sécurité particulière, c'est que tout le monde devra avoir le droit de lire. Alors, je vais devoir ajouter tout le monde. Si vous n'ajoutez pas tout le monde, ça ne marchera pas. Alors, lire. Affichage du contenu du dossier, lecture. Pas d'exécution nécessairement, juste lecture. Pouk, touk, touk. Alors, tout le monde a le droit de lire ça. À l'intérieur de ça, ben, je vais me faire un nouveau document texte que je vais appeler pas n'importe comment, index.html, et je vais devoir changer l'extension. En fait, je n'ai même pas changé l'extension comme il faut. Honte à moi. Est-ce qu'il y a des extensions? On enlève ça. On renomme notre fichier index.html pour de vrai. Et c'est une norme qui fait en sorte que mon fichier va être reconnu. Je vais juste l'éditer. Alors, je vais l'ouvrir avec Notepad pour pouvoir juste écrire quelque chose dedans. Ici, c'est mon intranet.
Intranet. Je vais juste écrire intranet. Évidemment, il y a du HTML qui va là-dedans, mais pour l'instant, on va juste marquer intranet, une page blanche très, très plate. Et on est capable de se faire un nouveau site. Donc, on clique droit, ajouter un site web. Touk. Le nom du site, intranet. Le pool d'application, on va sélectionner le default application pool, très important. On va dans le chemin physique, on lui sélectionne notre répertoire www. On donne une liaison de type HTTP. On pourrait décider de faire écouter uniquement sur l'adresse interne, uniquement sur le port 80. On ne met pas de nom d'autre, ce n'est pas nécessaire. Puis on démarre le site web immédiatement. L'avantage, c'est quand on est rendu ici, quand on fait intranet puis on fait rafraîchir, ben, on va avoir notre nouveau site web. Ouh, ça marche. Alors, on peut s'amuser comme ça. On va maintenant faire un site FTP parce que on doit faire un serveur FTP qui est sécurisé. Alors, on a un serveur à faire dans D Super FTP. D ou E, là. Dans notre cas, ça va être D. Alors, on va se faire un nouveau dossier. On l'appelle Super FTP. Notre dossier, le répertoire de base du dossier, ça va être FTP. Le port, ça va être le 222. Et connexion anonyme. Alors, parfait. Alors, on s'en va dans les sites. Nom de FTP, Super FTP. Chemin d'accès physique, Data, Super FTP. Oups. Suivant. Les adresses IP, on le fait écouter juste sur l'interne ou sur les deux, ça dépend. Et, ouk, port 222. C'est 222 ou 2222? 3-2. Donc, 222, le port. Et on ne met pas de SSL. On fait suivant. Authentification anonyme. Autorisation à tous les utilisateurs, le droit de lecture. Alors, ça, c'est une belle authentification anonyme pour un FTP. Et ça devrait fonctionner. Pour valider le fonctionnement, je m'en vais dans mon super FTP. Je fais un fichier quelconque. Je l'appelle a.txt. Je m'en vais à partir de mon client. Pouk. N'importe quel client, Internet Explorer fait la job. FTP 2. Barre oblique, barre oblique. SRV1 ou intranet, ça aurait été la même chose. Et techniquement, je devrais voir le résultat. Si Internet Explorer veut rien savoir, on peut toujours partir y aller en ligne de commande. CMD, FTP, SRV1. Il n'a pas l'air à vouloir répondre, le serveur FTP. Ah! Évidemment, j'ai fait la gaffe. Pardon. Alors, FTP SRV1, mais je n'ai pas donné le port. Évidemment, ce n'est pas sur le port 21, c'est le port 222 qui écoute. Alors, ça va aller mieux si on fait ça comme ça. On a juste ajouté deux points, le port 222, puis techniquement, ça devrait marcher. Ça ne marche pas. Pourquoi? Par feu! Alors, pare-feu Windows avec fonction avancée de sécurité. Plein de choses que je n'avais pas pensé de vous faire faire. Une nouvelle règle. Une règle de port, tout simplement. Alors, une règle de port. On fait suivant. TCP, le port 222. Autoriser la connexion. On l'appelle 222 FTP. Alors, ça prend une règle dans le pare-feu. Et on recommence la connexion. Là, si ça ne fonctionne pas, ça va aller mal à la shop. FTP 2.serveur1222. C'est supposé fonctionner. Alors, techniquement, quand Internet Explorer ne fonctionne pas alors qu'il est supposé fonctionner, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les lignes de commande et on fait FTP. Ensuite de ça, on va taper la commande open, le serveur SRV1 sur le port 222. Alors, ça devrait fonctionner. On me demande un utilisateur si anonyme. On doit rentrer Anonymous. Ensuite de ça, vous devez rentrer un courriel, n'importe quoi. Enroller, pas commercial, n'importe quoi. Enter, et on est logué. Pour voir le contenu du répertoire où on est, on fait ls, comme dans Linux, en minuscule par contre, ls. Et finalement, on voit qu'on a le fichier aaa.txt qui est à la racine de notre serveur FTP. Pour le télécharger, on utiliserait la commande get aaa.txt, puis on pourrait télécharger notre fichier aaa.txt. Où est-il? Quand on fait quit, il est à la racine. Il devrait être à la racine de notre répertoire de travail. Alors,
dites, ça c'est réglé pour le serveur FTP dit anonyme. Alors, tester. Ensuite de ça, on a besoin de créer un répertoire virtuel avec un accès à l'écriture, seulement écriture, sur le site Super FTP. Alors, à la racine, on va créer un dossier qui va s'appeler Drop FTP, puis ça va être un répertoire virtuel qui va porter l'alias dépôt. Alors, ça peut être pratique. On va montrer comment faire ça dans pas longtemps. Alors, pour pouvoir faire ça, on clique sur le Super FTP et on ajoute un répertoire virtuel. On va l'appeler Drop FTP tel que stipulé dans Drop FTP tel que stipulé dans l'exercice. Répertoire virtuel va porter l'alias dépôt. Et le chemin d'accès physique, c'est évidemment dans FTP, on l'a appelé Drop. Ça va être correct pour ça. On fait OK. Et ensuite de ça, on va changer les règles d'autorisation FTP parce que par défaut, l'autorisation est à tous les utilisateurs lecteurs. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de façon à ce que tous les gens, il n'y a pas de gens en particulier, c'est que tout le monde puisse déposer. Alors, on fait tous les utilisateurs, écriture seulement. Alors, ça permet aux gens d'écrire dans ce sous-répertoire-là et non pas sans pouvoir déposer nécessaire, sans pouvoir lire le contenu. Alors, c'est tout ce qu'on avait à faire pour créer notre alias à l'intérieur avec les droits d'écriture. Simplement. Ensuite de ça, vous ferez la vérification. 19, le dernier, modification des clients avec GPO. Tous les élèves. Donc, tous les élèves impliquent dans le serveur quoi? Tous les élèves impliquent dans l'unité organisationnelle suivante. Est-ce que j'ai une unité organisationnelle qui correspond à tous les élèves? Oui. Alors, tous les élèves, c'est cette unité organisationnelle-là, ne doivent pas pouvoir modifier les éléments du bureau. Alors, c'est juste une toute petite GPO très simple. Gestion des stratégies de groupe. Je m'en vais chercher la même unité organisationnelle que je viens de vous montrer dans les élèves. Je crée et je lis un objet ici. Je l'appelle GPO, bureau barré. Je fais OK. Je vais aller modifier ma GPO. Évidemment, je vais faire du contenu un peu. C'est bien ça, hein? Ne pas pouvoir modifier les éléments du bureau. Alors, je vais aller dans le côté utilisateur, stratégie, modèle d'administration, bureau. Ne pas pouvoir les modifier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a empêché les modifications. Dans bureau, hein? Empêcher l'ajout d'éléments, empêcher la fermeture d'éléments, puis empêcher la modification d'éléments. Alors, empêcher la modification du bureau. Et voilà. Donc, c'est tout simplement une toute petite GPO qu'on fait, qu'on s'assure que c'est les bons paramètres. Ensuite de ça, on s'assure d'ouvrir une session, de faire ouvrir une session avec un élève. Avec un petit GP update slash force, évidemment. Alors, je vais ouvrir avec Bart. Ça va être un petit peu plus facile parce qu'on a déjà ouvert une session avec lui. Ce que vous pourriez faire pour valider aussi le fonctionnement, ne pas hésiter, c'est de faire un GP result, souvent pas assez utilisé. Alors, un GP result slash R me permet rapidement de voir toutes les politiques et GPO bureau barré, elle est appliquée. Alors, ça me confirme que la GPO a été correctement configurée. Alors, c'est ce qu'il fallait faire pour l'ensemble de ça. Alors, dans l'épisode 3, on va voir la sécurité du serveur, l'enrichissement. On va voir le serveur de mise à jour. On va voir aussi, disons, deux autres choses. Là, on va voir 22, comment faire une racine DFS. Puis, on va voir 23, disons, comment mettre un second serveur contrôleur de domaine et DNS. Alors, ça va avec la DFS, tout ça, évidemment. Alors, c'est des choses qu'on va voir dans le troisième épisode. Alors là, je pense
pense que 1h19, c'est en masse pour aujourd'hui.